Wait, Nate. That's the name. Merci pour l'instant. Donc, les nobles, voilà. L'or s'approche un petit peu, là, voilà. Tous les nobles suivent. Voilà, tout le monde se met en place. À l'église, j'ai ici. Tout le monde n'était pas là, j'ai raconté un petit peu l'histoire qui est arrivée à l'or dans la semaine. Elle a été agressée par un terrible bandit qui a été appréhendé par les guerriers, c'est pour ça qu'elle est protégée. Les gardiens qui arrivent, voilà, et qui je vois, oui, voilà, le fameux bandit, le fameux bandit, voilà, les gardiens. Voilà, ben, si vous voulez avancer le bandit là, vous le tenez bien prêt, hein? Voilà. Voilà. Alors, on va le lâcher à la vindicte populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on va le faire? Est-ce que tu te refais? Non? Eh bien, alors, on t'occupera la tête. Voilà. Bon. Le bandit sera exécuté. Mais tout à l'heure. Les oies du Capitole. Parce que non seulement il y a un guerrier. Voilà la belle surprise. Hein. On remercie Eric. Parce que non seulement il y a les guerriers pour protéger l'or, mais il y a aussi, pour protéger sa tranquillité, les oies. Les oies qui ont sauvé le Capitole à Rome. Et à tout le monde aussi. Voilà, on remercie Eric. C'était la surprise. Monsieur le maire. Voilà. Voilà, on va procéder à la libération de du bas-relief. Monsieur Seigneur, il est là. Voilà. Voilà. Attention à la solo, merci. Voilà. C'est un peu désordonné, mais tout à poste, hein. Si, tout à poste. La combien de débarque, hein, c'est l'improvisation totale. Voilà. C'est peut-être ce qui fait notre succès, parce que vous êtes vraiment nombreux, je vous remercie encore une fois. Donc je passe la parole à monsieur le maire, qui va vous expliquer un petit peu. C'est lui qui a eu l'idée, l'initiative. Et merci monsieur le maire. Eh bien, pour renforcer notre amitié entre Calcina et Nove, et puis sur l'histoire de Nove, nous avons décidé il y a 2 ans, en conseil municipal, de faire cette fresque. C'est Polisano qui nous l'a faite. On ne peut pas mieux sceller notre amitié. Ben de l'autre côté, on tire ensemble.
écoliers devant leur statue. Voilà, vous vous mettez là, l'or sous l'or et Pétrarque sous Pétrarque. Voilà. Si, ecco. Si vous voulez vous en donner à cœur joie pour les photos, les films, on vous remercie. Voilà. Alors maintenant que tout ça c'est fait. Voilà. Non mais ça, il a déjà été jugé. Ils vont nous démontrer de leur talent, une facette de plus de leur talent. Et il faut vraiment vous reculer, vraiment, vraiment vous reculer. Voilà. Francesco, è sufficiente? Ecco, allora, metto da nuovo, rompilo un po', voilà, e on adesso place, on adesso place un candidatore, on leur laisse faire ce qu'ils servent à faire. Merci. Voilà.
Oscar et Comensao. Un codemail avec le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver dans le cadre de l'amitié entre nos deux belles régions, la Toscane et la Provence. Le motif de ce rencontre est de festejar l'amour de l'or et de Pétra. L'or est une belle épouse provençale nascue en Avignon, château du chevalier Audibert de Nove et tyran de la famille de Sade. C'est marié et mourgué de la peste nègre en 1341. Puis la grande muse de Pétrarque qui y est dédiée une passion sans limite. Laure de Nove et Francis Pétrarque se rencontrèrent dans la glaise d'Avignon. Pétrarque nasquit en 1304 en Rezzo, Italie, et Morighe proche de Padoue en 1474. Fugue est un grand poète et un grand humaniste. Bien piagé France à travers l'Europe, fréquenté les universités de Montpellier et Bologne. Homme de lettres et scientifique et maille des grands poètes, Francis Pétrarque, Fugue est un grand amoureux. Force de ses œuvres, sa trouve de nos cancionnaires, si tarentamment vita solitaire. Chers amis, à qui réunit un nord, que la fête sigue belle et au plaisir de se retrouver l'an que ven, en Provence se dit, c'est champamay, plus bien pas même. Et de demander à Robert, il est également une superbe. Donc, on remercie. Je vais rapidement à Provençal, j'espère que tout le monde a compris. J'ai retrouvé ça en détail. Maintenant, nous allons nous diriger vers le Jonas du Château. Thank you.
Thank you.